Fédération camerounaise de football est arrivée ici hier. Il était question que les joueurs qui jusque-là étaient à Yaoundé nous retrouvent et que ces joueurs et l'entraîneur soient mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football qui seule est habilitée à traiter avec la Confédération africaine de football pour l'organisation de ce match. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit bien d'un match organisé par la Confédération africaine de football qui n'a pour seul interlocuteur au niveau national que la Fédération camerounaise de football. Je suis dans le regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition du représentant de la Fédération camerounaise de football que je suis. Je continue donc à attendre avec l'espoir que cette mise à disposition sera effectuée pour que nous puissions avoir les passeports des joueurs pour leur identification, pour que nous puissions remplir la feuille du match. Nous ne pouvons pas remplir la feuille du match, nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à notre disposition. Je me devais donc de faire part de cette difficulté majeure aux membres de la commission afin que des solutions soient trouvées avec l'espoir que le match va se dérouler sans encroche. Mais il faut déjà noter que ce problème peut malheureusement entamer non seulement l'existence de la rencontre, mais aussi les performances, les bonnes performances que nous attendons de nos valeureux lions indomptables du Cameroun. Nous continuerons à attendre jusqu'à la dernière minute que les joueurs et l'entraîneur soient mis à notre disposition. Je peux vous dire au moment où nous parlons que je ne sais pas où se trouvent les joueurs lorsqu'ils ne sont pas dans leur chambre. Je ne connais pas le programme d'entraînement. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent, ce qui pour moi est très grave. C'est le lieu pour la Fédération camerounaise de football que je représente de dégager ici et maintenant sa responsabilité au cas où quelque chose de pas très bien survenait dans le cadre non seulement de la préparation de ce match, mais aussi de son déroulement. Alors, attendant. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous faisons notre travail. Et nous le faisons avec la collaboration de tous les membres de la commission qui sont venus. Vous avez vu ici le représentant de M. le gouverneur de la région. Vous avez vu les hautes autorités étatiques de la région qui se sont présentées ici. Nous avons à regretter ici l'absence à ces réunions de celui qui est chargé de la gestion du stade dans lequel nous sommes appelés à jouer. J'espère, une fois de plus, que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments, ceci dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de notre nation.